Blouse blanche et masque sur le nez, ils sont venus en nombre cet après-midi. Environ 2500 étudiants infirmiers issus de toute la région ont manifesté dans les rues de Lyon. Dans leur collimateur, les cliniques privées qui refusent de les prendre en stage depuis le 1er mars. La FHP, donc la Fédération Hospitalière Privée, refuse d'accepter des étudiants infirmiers en stage. En sachant que la fonction privée représente un tiers de nos stages. Donc c'est très préjudiciable, surtout pour les étudiants en troisième année qui ne pourront valider leur diplôme au mois de juillet et devront le valider au mois de novembre. Et si ces futures infirmières et infirmiers se sentent aujourd'hui pris en otage, c'est parce qu'ils sont victimes d'un conflit qui ne les concerne pas. Les établissements privés devraient recevoir moins d'argent de la part de l'assurance maladie suite à une décision du gouvernement. Du coup, pour protester, ils ont mis dans la balance les stages de ces étudiants. C'est-à-dire qu'on se retrouve coincé entre d'un côté le gouvernement et de l'autre la Fédération Hospitalière Privée qui n'arrive pas à s'entendre sur des points de finances. En fin d'après-midi, une délégation était reçue au siège de l'Agence Régionale de Santé.